3. Tendu. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rejoins Alexis au lac de Montbel. Il est parti pour sa session de fin d'année, ils m'ont pêché pendant 2 jours. Moi je les rejoins une journée, je leur amène tout le matos avec les flottes tubes et tout, donc il y aura la fédé. Ils vont pêcher en flotte tube là aujourd'hui, il n'y a pas un temps exceptionnel. Il y aura des bateaux, il y aura plein de monde, ça va être génial, on va bien rigoler. En espérant que les poissons soient là. Avec les grosses chaleurs c'était assez difficile. Mais là avec cette pluie j'espère qu'on va pouvoir réveiller du beau brochet en quantité surtout. Pas forcément du gros, mais de la quantité, c'est vraiment l'objectif. Bon allez, c'est parti. Moi je l'ai pas. Ah, moi j'en ai des petits. Ouais. C'est parti. Ceux de notre classe sont en contrôle de physique là. Ouais, ben nous ils sont en contrôle de philo. Là ça va envoyer. Attends. Accrochez-vous. Il est fini. Voilà, moi j'étais prêt. Et qui c'est qui fout le bordel? C'est le bateau. Oh. Un bass tracker, 30 000 euros, ça tire pas trop, mec. Voilà. Voilà. Alors, regardez, là vous en avez pour peut-être 150 euros un tube PVC. Vous êtes tranquille. C'est quoi le hic là? Bon, le hic c'est que. Allez, c'est parti la pêche, je sens qu'on va se prendre la flotte dans pas longtemps. À 13 mètres, ouais, je peux passer en vertical, moi. 13 mètres. Ouais, broché, ouais. Putain, il a la gueule ouverte, il en a. Putain, il va me décrocher, ce con. C'est bon, Alexis, merci. Ah, super. Et t'as arrêté de vendre des dorades à quel âge? Des dorades, j'ai arrêté à l'âge de 14 ans parce que je me suis mis à. C'est de nouveau fait? Oui. Ils sont plaisir la CD. Ouais, ça me déconne. Non, ça permet de bosser. Franchement. Vas-y. Dans le vent. Quand t'es dans le vent, que t'as 3 jeunes oui. Avec toi et qu'il faut faire 2 nœuds. D'accord. Mais me touche. Tu me fais ça là. Tu me touches pas. Tu prends tac, ancre. Le bateau il bouge plus. Ça c'est bien. Il te garde là où tu es. Mais ça, encore une fois, soit il faut faire partie de la fédé, soit être sponsorisé. On peut pas avoir des bateaux comme ça nous. On est que des pauvres nous. J'en ai un moi. Non, ça suffit pour raisonnement. Allez les pauvres qui ont des flottes tubes, on y va. On va leur montrer qu'on fait du poisson, on n'a pas des bateaux à 30 000 nous. Bon, on vous tire quoi donc, c'est ça? Vous nous tirez jusqu'à l'île. Oui. Derrière, je crois qu'on est à 13-14 mètres. D'accord. Et après, on va arriver directement sur les dalles. Et après, on pourra un peu développer. Avec une zone à perche qui est entre les dalles et la première des avancées qu'il y a. Donc, je vous engage encore une fois, si vous avez le H, hein, vous balardez, on se fout autour et on rigole. Hein. Ça vous va ou vous voulez qu'on fasse le contraire? Nickel. Tu l'as vu? Ça vous va? Ouais, voilà. Arrivé là, pas tu vois, là, l'état de ton avant moi. Zéro. Avec une tête. Oh, ça va. Hein. Là, c'est joli. Là, t'as pris un beau. Là, c'est cocu. Ça pue le silure. Soit c'est un big pike. Ouais. Ça pue le silure. Le coco
Soit c'est maîtré, soit c'est silo. Ouais. Je filme. Vas-y, assure le poisson, je filme. Gros. Décroche pas. C'est sûr. Des coups comme ça, c'est sûr. Il fait quoi? Il fait 80, je pense. C'est sûr, oui, les coups de tête comme ça, là, c'était... Les coups de queue, oui, c'est sûr, hein. Il n'y a pas de doute possible. Bien. Yeah. Cool, ah, il va décoller. Il va décoller. Lâche. Il vient. Non. Continue la pression, il va sortir. Regarde, il monte tout doucement, mais il monte. Il va débuler, là, il va dégazer. Il va dégazer bientôt. Enfin, bientôt, s'il est plus gros que ce qu'on pense, il va dégazer, donc pas tout de suite. Hein. Pète pas ta canne. Si t'es tanké, assure-le. Tirer comme un âne, hein. Il est pas tanké. Regarde, il monte tout doucement, mais il monte. C'est le frein. Ça doit être joli, je pense. Non mais les gars, il est bloqué là. C'est quoi Non, ça c'est j'ai essayé. Non mais c'est quoi ici? Allez, ben vas-y, tente. Tu sens là doucement? Quasiment on y va la nage. Rien de... Ouais non, là c'est mauvais là. Ouais. On va voir. Tu l'as senti que c'est foutu dans un truc quoi? Pas plus que ça. Ah, là, ouais. Ça s'est bloqué là. Ça s'est tanké, tu sais, ça a plus bougé et puis... Ce qu'il faut, c'est dans plein d'herbie après, voilà. Mais ça l'aurait pété normalement. Ah ouais, la canne a accroché. Et ça s'est accroché dans une merde. Vas-y, tu vas le sentir, décroche là. Ah, je vais le sentir ce qu'il y a au fond. Hein. Si je lui tape sur la tête, je vais le sentir aussi. Tu l'avais capté. Je laisse la canne taper le mou. Je vais le prendre, mais t'inquiète. Ne laisse pas de mou là par contre. Tu l'avais capté les quoi? Ah non, pas du tout, on n'était pas côte à côte. Ah non, mais je laissais traîner le leurre. C'était quoi le leurre? Un one-up. Ah oui, le même le matin. Tu vas le voir, si t'as du mucus sur ton maligne, c'était si l'offre. Ouais. Ça a décroché. Alors? T'es tanké. Ah, voilà, les boules. Putain! Les belles. Ouais. Mucus, regardez ça. T'as vu ça, ce beau mucus là? T'as décroché ton cigare. Là, oui. Non, en fait, finalement, elle s'est arrêtée avant. Et Clément, sur ton bien, voilà. Ta copine va bien. C'est elle bon. S'est arrêtée avant la. C'est dit, j'arrête. Stop. Ah, ce mucus que t'as, c'était silure, mais 100%. Ouais, non, mais loupé. Décroché. Le bâtard. C'est pas grave, t'étais mort. Allez, essuie-toi ton silure. 45, ouais. Non, mais fin, si c'était pas tanké, il l'aurait sorti. Hein. Mais ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, je vais t'apprendre à décrocher un leurre. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Première étape, se mettre à la verticale du leurre. Attraper le fil à la main. Quand on est à peu près au-dessus, on fait un angle droit. Ouais. Tu tiens bien avec cette main. Tu mets en tension. Et tu renvoies. Et c'est décroché. Vas-y. Ah ouais, tu fais comme une arbalète un peu. Exactement, en fait, ça renvoie le leurre vers l'arrière. Ah, okay. Merci beaucoup. Là, je crois qu'il y a un peu trop de terre. C'est bon, direction la pointe. Bonjour, la nouvelle roue d'étrave. Ah, Oh, attends, sale les mains. Allez, sale les mains. Ah, il a raison, ça va cartoucher là, hein, avec le soleil. Hein. Là, c'est le moment de passer au leurre de surface. Dès que le soleil arrive, ils vont remonter. Ils vont remonter un peu. Soit entre deux eaux. Ouais. Après, ça peut être intéressant de forcer, etc. Et des leurres qui, voilà, qui brassent entre deux eaux. Brochet stick bait. Yes. On va pouvoir mouiller l'épuisette. Les premiers vont arriver. Et ouais, stick bait, deuxième lancé. Ben oui. Deuxième lancé ou premier lancé. Il est pas vilain.
Il est pas vilain. Et il se laisse pas faire. Hein. T'as pas, là ? Ouais. Enfin là non, mais. Il vient par là. C'est un silure. C'est un silure. C'est un silure. Si, c'est un silure, je l'ai vu. Il fait 80. Un silure au stick bait, yes. En surface, hein. En surface au stick bait. T'en déconnes, quoi. Eh ? Ah ouais, je l'ai vu, j'ai vu la queue, c'est un silure. Silure en surface. En surface au stick bait. Il doit faire plus de mètres, quand même. Non, il fait 80, je dirais 90. Il dégaze. Ah, c'est bon. T'as des gants ? Non, je vais le prendre à la main. Mais il le pète, ça va bien. Ouais, t'es. Ouah ! C'est pas trop dernier brèche. Il est pas gros, il fait même pas 80. Ouais, mais ouais. Ah, ici, il fait 80. Un petit 80. Ah oui, vu la queue, il n'y a pas photo. Ah oui. Tu veux le mesurer et tout ? T'as la tatou ? J'ai le mètre, j'ai ce qu'il faut. Je sais pas si je le mets à l'épuisette quand même. Tu le mets à l'épuisette, il va terminer l'épuisette. C'est ça, c'est le truc, c'est ce que je veux pas. Oh, il est bien piqué. Je vais le prendre à la main, ouais. Les gars ! Silure ! Silure ! Oui, le dernier rush, tu vas voir. Ouais. C'est tout le petit comme ça. Big bait, je sais pas. C'est pas un big bait, hein, c'est un stick bait. C'est... Oui, stick bait. Silure ! Elle était magique, hein ! J'ai pas filmé, mais... Elle était magique, ouais. Moi aussi, hein ! Ah, je sais. Un peu bien. C'est bon. Non, mais c'est bon, je l'ai bien attrapé. Il est bien piqué. Et il passe décrocher l'enculé. Ouais. Bien piqué l'enculé. Voilà, décroché, c'est bon. Il est bien blanc. Ah ouais, yes. Attends, je vais me rapprocher, que je fasse une belle photo. Peut-être un peu rouillé, mon maître. 80. 80 piles ? Oui. Allez, 80 piles. Pas demander son reste. Bien joué. Bien joué. Là, t'as vu, il y a combien de mètres d'eau là ? Ouais, voilà, dans 2 mètres d'eau, je l'ai fait monter aussi. Oui, bah oui, clairement. Putain, ça aussi, ça a de l'anticoagulant. Hein. Les silures aussi, ça a de l'anticoagulant. Mes blessures, elles reprennent. Ouais, nickel. Mucus partout! Stick bait, Joe Realis. Silure au stick. Bah, Bastien en a déjà fait un au stick. Moi j'ai vu silure à la frog aussi. J'ai un popper de 11 cm si vous voulez. Je crois que je vais pouvoir changer le fluoro. Hein. Oui, je vais pas jouer, je vais changer le fluoro.
peau du con, les traces de Chico. Oh. Mais regarde, non, ça c'était un cendre. Tranquille, laisse-le dans l'eau là. Vous avez coffré en plus. Mais oui. Mais tu les vois, ils sont alignés partout. Ouais. Oh, il me tardait de le faire celui-là. Comme quoi. On va gratter, je crois. Résister, ouais, ouais, je vais gratter. Ouais, bah... Dernier temps qui reste, on va gratter quoi. Peut-être plus petit. Ouais. Ouais, moi je suis un peu gros. Tout petit, tout petit. Tout petit, ouais. On va essayer. Après, t'es. C'est combien de fond là? 6. 6, ça va encore. C'est après. Tous les gars. Bien, Jean! Ah ouais, putain, il tardait. Bah, tu l'as. Tu te l'as gagné quoi? Ouais, là. Comment ça, en avoir ras le cul? Attends, attends, laisse-le là pour la photo. Voilà, on prend ton petit cap là. Hop là, voilà. Ah, je piste up. Oh, pardon. Tu lui parles mieux, oui. Tu sais quoi? Bouge de là, toi. Allez, file. Mets-toi au soleil. Voilà. T'es moche, là, moi. Déjà que t'es pas... Il est tardé. Premier sang, il manque plus que le silure, les gars. Tu le lèves un peu. Les deux autres, vous vous mettez derrière, derrière lui. Oui. Allez, calme-toi. Il m'a mis un gnoc. Oui. Il a raison. T'es un vrai, il a coffré, quand même. Ouais. Ben ce coloris hier, ouais. Il coffrait tout comme ça. Ouais. Moi, tout se coffrait quoi, mais c'était 40, 45. Ouais. Mais par contre, peut-être qu'il faut tomber en taille. Ouais, je vais essayer de tomber en taille moi. Allez, c'est la fin. Il va redégager. La prochaine, la prochaine. Là, hop. Tu vas tourner. Ouais, c'est normal. Hein. Tu vas, tu vas te régaler là. 2m17, j'ai failli me faire péter les poils. Mais t'es que là, là, j'ai une poisson pour te donner l'idée qui doit être à 8 kg. 5, 6 kg. Là, ça va être très bien. Vas-y, allez, va vers lui là, crier. Le pousse, pourquoi le pousse. Vas-y, allez, maintenant. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, ouais. Bravo. Monte-le. Super. Voilà. Tu le poses là. Toujours. Ta canne, tu peux le mettre dans le support si tu veux. Tu ouvres le pick-up. Le pick-up, vas-y, voilà. Un mètre 3. Mètre 3. Yeah. Oh. On peut le tirer à 1 mètre 4, il était pas tout à fait droit. Ouais, va avec lui, déshabille. Va avec lui. Mets-le dans le fond. Réanime-le. Tiens-le bien. Ouais. Tiens-le bien. Ouais. Il faut l'embrasser. Bravo. Il y a le pied des sirènes, tu crois que jamais plus t'en attraperas de ta vie. Allez, fais un bisou. Tu peux lui faire un bisou avec la photo. Oui. Ah, ah oui, tu pourrais, t'es. T'as pas fait le bisou? Bien. T'es fait foutu. Jamais. Il est là, il est en train de descendre. Bon, ils viennent passer là.